début des années 1960, la pilule anticonceptionnelle n'a été approuvée au Canada qu'à des fins thérapeutiques, notamment pour régulariser le cycle menstruel. Même si certains médecins n'hésitaient pas à la prescrire, sachant qu'elle pouvait servir de moyen contraceptif, ce n'est qu'en 1969 qu'on légalisa la contraception chimique. La pilule anticonceptionnelle a eu de vastes répercussions sociales, permettant aux femmes de mieux planifier, espacer ou contrôler leur grossesse. La pilule leur a aussi donné la possibilité de participer au marché du travail et de poursuivre des études postsecondaires, ce qui, en retour, contribua à changer les normes et les attentes sociales concernant le rôle des sexes. La pilule a séduit de nombreuses femmes parce qu'elle était pratique et très efficace. Elle était aussi révolutionnaire parce qu'elle devenait la première méthode contraceptive destinée aux femmes.